Analyser des recherches, en tirer des hypothèses, puis en faire des conclusions. Nous avons parlé aujourd'hui des identifications des coups, identification des coups. L'objectif, d'abord, de l'apprenant, tu es censé maîtriser les mots. Les mots, voici le mot masse. Deuxième mot, volume. Je vais poser la question ici. Tu peux me rappeler un exemple de métaux que tu connais? Le fer. Le fer. Quand c'est pour identifier un métal, tu es censé maîtriser la notion de masse. Oui, c'est quoi la masse? Quantité de matière. Très bien. C'est quoi? On dirait. Alors, regardez, est-ce les deux métaux ont la même couleur? Non. Regardez, lorsque je vous, je fais comme ça, et ça, regardez, pourquoi il n'y a rien? Il y a quoi? Il y a des effets du vent. Donc, regardez, je bouge, 0, 2, moins, ah, il y a problème. Aujourd'hui, on nous a parlé de l'identification des métaux via les masses bruniques. Ok, à l'école, on nous enseigne tout simplement le cours théorique. Or, ici, maintenant, nous sommes venus pratiquer, vivre comment la pratique s'est faite des métaux. Et je crois bien que la séance s'est bien passée et je dis merci pour cette semaine africaine des sciences qui a pour thème susciter la vocation des sciences.